Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au fil de Russe, bienvenue sur ce nouvel épisode. Cette semaine, un épisode un petit peu particulier, on va fêter, en fait, oui, on a fêté les 6000 abonnés. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. On vous remercie parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne et... Donc on vous remercie et pour ceci, Au fil de Russe organise un concours sur cet épisode-là où je récompenserai, vous mettez du style un petit commentaire, seront pris en compte que les commentaires avec un petit smiley, petit chat, voilà. Donc vous trouvez un petit chat en smiley et puis vous mettez uniquement que ça en commentaire, ça veut dire que vous participez au concours. Ne seront pris en compte que les commentaires avec uniquement que le petit chat dessus. Si vous marquez un petit commentaire il faut qu'on décide. Avec un petit chat. Il faudra que tu mettes sur l'écran quel petit chat. Parce qu'il y en a plusieurs. T'as le chat qui est à quatre pattes et t'as la tête de petit chat. Non mais c'est la tête de petit chat. La tête de petit chat. On mettra le smiley qui est... C'est le premier qui apparaît, la tête de petit chat. Voilà, donc on va récompenser. Il y aura 6 gagnants, gagnantes. Voilà, d'un chèque cadeau de 50 euros. Chacune. Voilà. Donc ça, c'était pour les présentations. Vous pouvez retrouver Mélène, que vous voyez derrière moi, ou dont on parle quand on cite Au fil de Russe, sur le site aufildorusse.fr. Je le répète à chaque fois, mais j'ai souvent des commentaires en me disant où est-ce qu'on peut acheter ta laine encore. Donc, comme il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux, vous pouvez retrouver toutes mes laines sur le site www.aufildorusse.fr. Si vous voulez avoir un petit peu la façon dont c'est organisé, comment fonctionne, vous vous référez à l'épisode précédent, donc qui est l'épisode 42, où je refais une petite présentation sur comment fonctionne Au fil de Russe, sur les coloris, sur comment fonctionnent les coloris. Et bon, tout ça. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Plein de choses à vous dire cette semaine, donc on va... Commencer. On va commencer, voilà. Alors, on va commencer déjà avec ce qu'on porte. Alors, que portes-tu, Vincent? Moi, je porte... Alors, c'est une réalisation de Sophie, Au fil de la Ruche, Sophie Zen. Je ne sais plus si elle porte encore. Je crois que sur Instagram, c'est Sophie Zen, non? Non, c'est Au fil de la Ruche. Non, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'elle a changé... Pour moi, j'ai toujours suivi le même compte, du coup. Ah non, je suivais les deux comptes. Oui, mais je suivais les deux comptes. Elle a fusionné, ouais, on vous marquera bon, le... Sophie a réalisé le géogradient, et donc l'a offert à Didier, et j'en profite. On a fait un échange quand elles sont venues au mois de novembre. Oui, avec Christelle, Céline, Julie. Ben voilà, on a fait un échange où elle m'a offert le... Son géogradient qui était tout fraîchement fini. Oui, oui parce que c'était le MK. Les fils étaient tout juste rentrés. Et contre un châle que j'avais réalisé de même les anches ricottes. Voilà. Donc ça, c'était le géogradient version 1 parce qu'elle est en train d'en refaire un. Oui. Voilà. Donc ça, c'était sa version qu'elle avait réalisée avec mes laines. Il y a plein de laines. Je crois que c'est de la 100% corrillée d'elle. Et elle a rajouté aussi le coril un peu plus foncé, je crois. Oui. C'est de la drogue. Enfin, je sais plus. Je vais pas mentir. Oui, toutes les laines, je crois hein, que c'est Au fil de Russe. Sauf le mohair, enfin le poil. Oui, c'est ça. Le... Voilà. Très belle version. Bon, tu me la rends. Donc voilà, donc toi, c'est le géogradient de le MK. Et toi de... Alors moi, qu'est-ce que je porte? Je porte le Madrigal, le châle de Madrigal de Eddy que j'avais testé pour lui. C'est le... Gothica Shawl, voilà, qui est un châle triangulaire, que l'on commence par la pointe avec une bordure et une section de dentelle. On augmente à chaque fois, on vient rajouter, parce qu'après il y a trois sections de dentelle. Voilà, donc on commence au début avec un 100% dentelle, enfin avec une bordure et un 100% dentelle. On augmente avec le deuxième et le troisième volet de dentelle. Et quand on a... Quand on commence le dernier volet, c'est-à-dire que le panneau 1, 2, 3, quand on a terminé la dernière augmentation, c'est-à-dire qu'on a vraiment les trois panneaux qui iront jusqu'au bout, on entame sur le côté où on augmente en jersey en droit. Donc on continue avec tout ce panneau de dentelle jusqu'au bout. Sur le côté augmentation, c'est du jersey en droit jusqu'au bout. Et après, c'est une section, c'est une bordure... C'est une bordure de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est une bordure de points point un petit peu texturé. Avec, on finit par une bordure en point ajouré avec un i-cord. Je ne sais pas si ça a fait Je ne sais pas si... Non, je crois qu'il ne rabat pas en accord. Je crois que c'est moi.
Et là, j'ai vraiment suivi parce que c'était le test. La bordure, c'est une jolie bordure en plus qu'on voit rarement. Donc, c'est une bordure qui est comme ça, en point ajouré. Donc, cette bordure, elle ne change jamais de chaque côté. Voilà. Enfin, tout du long et après, c'est en bas, Oui, c'est oui. une... Ah, une fois qu'on arrive ici, en fait, une fois qu'on arrive sur cette section-là, quand on finit le grand pan de jersey, en fait, la section s'arrête, la bordure s'arrête pour fondre avec la bordure. Voilà. Rien de. Je l'avais réalisé avec Mélène, le coloris je ne l'ai plus. Et alors, moi je l'avais réalisé en déca, c'est-à-dire, enfin en déca, j'avais réalisé en fil doublé parce que Eddy, il utilise il le fait avec des minis, lui, mais c'est des minis qui ont c'est de la fingering, mais assez épaisse. C'est-à-dire, c'est presque de la qualité sport. Presque, sport déca. Donc du coup, moi étant donné qu'à l'époque, sur la fingering que j'avais, c'était vraiment de la fine, je voulais pas avoir. Parce qu'en fait, vous pouvez le prolonger en sachant qu'il faut tomber sur le multiple ici, si vous voulez le prolonger. Voilà. Mais vous pouvez prolonger, ou si vous voulez pas faire cette bordure-là, vous pouvez très bien prolonger le châle si vous le voulez beaucoup plus grand, si vous le faites en fingering simple. Là, moi, il est fait en fil doublé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter exactement quand on veut, Non, il faut parce qu'il y tomber a sur non, parce le... qu'il y a un motif. Alors là, c'est je l'avais recommencé deux, trois fois le truc parce que je tombais pas pile poil. Alors, est-ce que c'est moi qui avais Certainement toi, oui. oui, c'est certainement moi. Est-ce que c'est moi qui avais continué ou arrêté avant? Peut-être pas. Je sais plus. Je sais plus. En tout Donc cas, du il... moment, en tout cas, si vous voulez ne pas avoir ça et finir normalement, enfin en jersey, vous pouvez le continuer beaucoup plus grand. Après, si vous voulez faire vraiment cette bordure, il faut regarder le multiple du motif pour vraiment tomber. Comme c'est des points alternés et tout, il faut vraiment tomber sur le bon chiffre, quoi. Enfin, c'est pas non Mais plus. il est assez bien, il est assez grand. Voilà, donc petit châle tri, enfin petit châle, non, il est et il est chaud sans être chaud parce que c'était en 100% mérino, mais il n'est pas immense immense, donc du coup c'est bien pour la demi-saison comme ça. Puis avec cette dentelle très très jolie, alors c'est une dentelle qui est très travaillée. Quand il m'avait envoyé le test, je me suis dit oh là là, ça va être des trucs de fou, et en fait pas du tout. Non, Sont des jetés des... ouais, mais en fait on croirait qu'il y a des torsades ou des trucs comme ça, et en fait non, Des diminutions c'est qui... des diminutions en fait successives qui font vriller la dentelle. Et voilà, ça forme des espèces on dirait des torsades, mais en fait, ça n'en est pas. Voilà pour ce qu'on porte. Et est-ce que tu as fini des choses cette semaine? Est-ce qu'on a fini? Oui, eh bien, on va passer. Oui, on a fini des trucs. Enfin, 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 enfin. On va passer à la partie ouvrage terminé. On a enfin fini. Oui, on a enfin fini. On commence par moi. Mais tu Allez. l'as dans les mains. Donc, j'ai fini. J'ai enfin. Enfin, non, je suis pas enfin. J'ai fini. Je suis arrivé au bout du Striation Valley de Steven West. Châle 2001, on va peut-être pas dire que c'est un 2001. Parce que vu sa construction et comment il faut le bloquer, c'est pas un 2001. C'est un croissant presque. Ouais, c'est presque un croissant. Voilà, je l'ai réalisé sur. Alors. 5 écheveaux, donc 4 écheveaux de fingering et un de mohair. J'ai rajouté moi un écheveau parce que j'ai tricoté une section, comme je vous avais dit, avec un simple brin de mohair, ça m'a pas plu. Donc sur les sections plus bas où il fallait répéter uniquement avec le mohair, je l'ai doublé. Et j'ai pas voulu le doubler avec l'un des coloris, donc j'ai pris un autre écheveau qui était ressemblant. Donc. En fait, t'as pas respecté les variations, les successions de couleurs Si, j'ai exactement respecté, sauf que la partie où il y a le mohair, Tu en l'as fait, je doublé. l'ai doublé après. Donc je l'ai redoublé avec un coloris qui ressemble. Oui, moi c'était le mohair Purple Pop. Donc je l'ai doublé avec un fingering rose pourpre. Donc je suis resté quand même dans les tons, mais j'ai quand même respecté. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que je l'ai. La dernière section, qui est une section qui se termine avec des vagues, je l'ai réduite de moitié pour deux choses. Un, je trouvais que le châle, tel qu'il est là, il est assez grand. Voire. Oui, Pauline déjà s'inquiétait de savoir Voilà, si... Pauline Pulpe Bizarre, elle s'inquiétait déjà. Enfin, si vous irez voir, elle fait une version. Elle fait une Oui, il est très version beau, il est vraiment très beau le très châle. très belle. Et elle s'inquiétait déjà de savoir si elle n'allait pas diminuer en bas. Bon, moi je suis arrivé jusqu'à l'avant-dernière section où j'ai
garder la. Et en tricotant la dernière, je me suis dit pour deux choses. Un, en le regardant comme ça, je me suis dit, il est quand même assez grand pour rajouter encore une immense, enfin, une section équivalente aux autres. Et de deux, il termine sur une section qui est aussi grande que les autres, et moi, ça me déplaît dans le sens où ben, ça fait pas bordure. Ça fait comme si le châle s'arrêtait comme ça. Donc, moi, j'ai décidé, et je vais vous le montrer, j'ai décidé de diminuer la dernière section, donc deux vaguelettes en deux, et ce qui me fait vraiment, donc ça termine, et ça fait une petite section, donc ça fait comme une bordure que l'on termine en I-cord. Et le voilà terminé. Donc il est minuscule. Je sais pas s'il rentre. Donc je vous dis d'entrée que pour le bloquer, si vous le faites, alors j'ai essayé dans tous les sens pour éviter d'avoir trop de froufrou ici, parce que malgré ça, ça floute quand même. Et effectivement sur le sien, Oui, là, ça fronce moi je aussi. t'ai croisé hier quand tu étais en train de regarder Ouais. les photos sur. Ouais. Et ça fronce, là vous avez avec les augmentations, ça fronce à chaque. Ça fronce, c'est normal, il ne faut pas complètement l'aplatir. Bon, une fois que j'ai compris ça, en fait j'ai bloqué ici, j'ai bloqué un petit peu là-bas, et je suis parti d'une pointe, enfin je suis parti, oui, je suis parti d'un bout là-bas, et j'ai bloqué les chevrons au fur et à mesure. Donc j'ai bloqué en fait sur ces chevrons-là, hop là, hop là, hop là, ici, j'ai tiré ici. J'ai mis une épingle sur tout le tour, là où il y a des chevrons, à chaque fois sur les augmentations. J'ai bien, 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 bien tiré. Une fois que le truc, le châle était vraiment aplati, donc ça faisait une forme un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai pris une photo de. Peut-être, je vais vous la rajouter parce que c'est. Moi, j'aimerais, en fait, avoir. Sur certains modèles comme ça, j'aimerais vraiment que le designer, ou par exemple, que le Steven West, quand il fait ses vidéos, j'aimerais bien qu'il montre comment il a été bloqué. Parce que c'était vraiment une prise de tête. Je ne savais pas s'il fallait le bloquer comme ça, s'il fallait le bloquer comme ça, comme ça, comme ça, comme Oui, ça. parce que ce que Alors. je disais, c'est que comme tu disais, cette partie-là, la deuxième section, était froncée, quoi que tu fasses. Ouais. Donc, je vous ai dit, hein, je suis parti d'une pointe. Après, c'est peut-être pas. Mais en fait, moi, c'est la méthode, parce qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu. Agacé. Donc du coup, ben voilà, je suis parti de là, j'ai piqué, j'ai tiré sur le chevron pour vraiment donner la forme, et j'ai piqué sur tous les chevrons avec des épingles. Et une fois que tout était positionné, je suis revenu pour bloquer la bordure. Donc voilà la bordure que j'ai réduite. Mais pas Voilà. avec une épingle parce qu'elle est très Non, arrondie. avec dans les arrondis, donc dans les augmentations où il y a justement le chevron avec les petits jetés, là, ben j'ai piqué avec une épingle de blocage de 4 pics. Pour que ça fasse pas une pointe-pointe, mais que ça fasse que ça garde quand même Un l'arrondi. arrondi arrondi, quoi. Voilà. Donc, je suis très 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 heureux du modèle là. Il est immense, 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 immense. J'adore. Alors, je l'ai commencé, j'ai vu son truc, j'ai mis moins d'un mois pour le faire. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Alors, il est très grand. Faut pas ça, je crois qu'il y a 500. Il n'y a pas tout à fait 600 mailles. Donc c'est pas un. Il y a eu pire. Parce que par exemple, toi, sur le géogradient, tu avais presque 1000 mailles là-dessus. Quand tu doublais, non? Tu passais de 500 à Oui, 1000. Voilà. Donc parfois, avec Steven West, quand il y a des ouvrages comme ça, ou sur par exemple le Slip Stravaganza, je crois que sur les chevrons, on est à 1000 mailles passées. Donc là, pas tant que ça. Et franchement, c'est une alternance de. C'est bien, c'est une alternance de poids entre du zéro cerveau et là où il faut un peu compter. Alors là où il faut un peu compter, c'est là où il y a les chevrons, parce qu'il faut augmenter sur cette ligne-là et diminuer là. Donc faut compter entre les deux pour faire ben, le jeté et les diminutions-augmentations là. Mais après, sur les vaguelettes. À chaque fois, ce sont des vaguelettes qui sont soit une alternance de point mousse et de jersey, soit que du point mousse. Et en fait, sur les vaguelettes, il n'y a qu'un rang tous les 4 ou 6 rangs où il faut faire les petits jetés. Où il faut faire ces petits jetés. Alors, hormis là, voilà, ici, là. Donc, ici, là-dessus. Par exemple, ici, là-dessus, il y a des petits jetés. Ici, ici, ici. Donc, sur cette grande section, il n'y en a que 3. Donc, il n'y a qu'un seul rang où il faut faire attention et compter. Et après, tous les autres, les rangs retour et je sais plus, bon, je ne dis pas parce que c'est payant, mais sur deux ou trois, au moins 6 rangs, 4 ou 6 rangs, c'est des allers-retours. Donc, soit tout à l'endroit, soit à l'endroit, enfin, une alternance de point mousse et de jersey. Donc, rien de. Voilà. Donc, c'est vraiment devant la télé, moi, je le faisais que le soir.
Et c'est vraiment pas prise de tête, pas prise de tête. Voilà, j'ai terminé avec un iCord. Et voilà. Il est léger, Il est très parce léger. que un châle aussi grand, on pourrait s'attendre à ce qu'il pèse. Donc ce soit toi le fait que tu le portes en même temps. Alors, Non, il est. je vais quand même peser. Je vais vous marquer quand même le. Ou alors sur Ravelry, non, Ravelry. Non, pas Ravelry. Je vais quand même peser. Je vous mettrai le métrage de. Parce qu'en fait, comparé à d'autres West, moi, j'étais agréablement surpris. Il a quand même consommé beaucoup de laine. Alors, j'ai pas dépassé le. J'ai pas dépassé. Là, c'est du point mousse hein, pour la plupart. Donc. Ici, en fait, sur la section là où j'avais doublé le fil de fingering, donc avec ce coloris qui était un vieux coloris un petit peu rose pourpre que je n'ai plus en boutique, je l'ai utilisé une fois. Et en fait, là pour la bordure, j'ai pas utilisé ce coloris là, mais j'ai utilisé le premier coloris, c'est-à-dire le coloris Sagesse du Prince, celui-là. Il est ici là, celui-là. J'ai utilisé celui-là parce qu'en fait, il m'en restait très peu. Donc je me suis dit, je vais le doubler avec le mohair pour aller vraiment au bout de la pelote. Et je ne suis pas allé au bout, mais j'en ai quand même bien réutilisé. Donc je crois que je n'ai pas... Je crois que j'ai pas suivi l'ordre des couleurs uniquement que pour cette section-là. Parce que je crois que ce n'est pas du tout ça. À vérifier, mais je crois pas. Non, je crois pas. Peut-être. Je trouve que c'est joli le mélange du mohair avec Voilà. celui que tu viens de montrer. Donc moi j'adore quand je mets des petites touches de mohair, je ne sais pas si ça se voit là, Bah, t'en fous. mais j'adore quand c'est mélangé à de la fingering, mais que sur une petite section. Voilà. Pas sur tout le truc. Voilà. Donc il est immense. Rien de compliqué. Pas tant de, je vous ai dit, hein, pas tant d'aiguilles, de mailles sur les aiguilles. Donc les rangs, bon, ben, oui, ben, ça c'est sûr, il n'y a pas, y a pas 50 mailles sur les aiguilles, mais en fait il va très très vite. Parce que j'ai mis moins de. Je crois que j'ai regardé hier soir, je crois qu'on a. Même avec le tien, je crois qu'on a été à 3 semaines à peu près pour le faire. Donc c'est pas. Et je vous ai dit, hein, c'est aucune prise de tête. Il y a des rangs, voilà, vous faire attention, c'est avec les doubles jetés. Il faut être vigilant parce que il y a des arêtes qui commencent ici, avec les doubles jetés. Et en fait, ça, il y a la continuité jusqu'en bas. C'est-à-dire que là, le motif, il y a des trous-trous, là. Les augmentations, c'est les trous-trous. Après, on tombe sur l'arête des augmentations des chevrons. Et en fait, toutes les lignes vont jusqu'en bas. Donc, si vous décalez, c'est là où il faut être Si on se vigilant. trompe à un moment donné, ça Ben, vous décale tout le risquez châle. vous décalez tout le châle. Voilà. Le On motif sur le décale le châle. motif, enfin, l'alignement des motifs, en fait, jusqu'en bas. Voilà. Ce sont des augmentations un peu rectilignes sur les motifs. Voilà. Donc il est immense, 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 immense. J'adore, 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 j'adore. Oui, je me mange encore du Je châle. suis très fier de. Ouais, je suis très fier de l'avoir fini. Je vois rien là à l'écran, ce que je vous montre. Enfin, si, par transparence, mais il me tarde de le voir à l'écran parce que. Hop. Voilà. Donc il est, je sais pas combien il peut faire d'envergure, peut-être je me fais un peu plus d'un mètre 80. Il est pas, il est moins, bon après il est moins large que profond. Je marquerai Ah les bon? mesures. Non Mais mais si. non mais je veux dire si d'habitude si la profondeur était proportionnelle au, si c'était vraiment un demi-lune, parce que là c'est le demi-lune est proportionnel. On aurait un châle qui mesurerait là, parce qu'il est immense, 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 immense. Voilà. Donc, je sais pas comment ça peut se porter après, hein, parce qu'un truc comme ça, ouais. J'adore. C'est un truc immense. Ouais, là, on peut s'envelopper avec celui-là. Hop. Voilà. Donc, voilà pour le Striachen Valley de Steven West. Je me mange du châle, moi. Oui. Voilà. Attends, je vais le faire tenir encore. Voilà. Comme ça, je vous le montre une dernière fois. Hop. Bon, ben. Non, ça fait plaisir. Je suis très content parce que ça fait plaisir d'avoir un châle comme ça. Un châle qui a de l'envergure. Les motifs sont super jolis. Et qui est zéro, enfin, sans prise de tête. À aucun moment, hormis parfois un petit peu dans la longueur. Mais bon, devant Mais une. est-ce que ce sont des couleurs qui nous iraient aux teintes? Ouais. Oui, je crois. Ouais, quand même, hein?
Non, mais là, je suis très content. Puis je le regarde là, parce que je l'admire. Parce que c'est. Franchement, je vous le dis, hein, le combo initial m'a. Quand j'ai fait les teintures, donc avec le Sagesse du Prince, Preciokara, tout ça, pour moi, c'était une évidence. Quand je l'ai mis en cake, les couleurs commençaient à se révéler un tout petit peu. Je me suis dit, ouais, ça. C'est lumineux, quoi. Quand j'ai commencé les premières sections, je me suis dit, waouh, c'est très joli, mais est-ce que je serais capable de le porter? Et en fait, oui. Bon, ça, c'est sûr, c'est pas un châle noir et blanc, hein, mais en fait, tout le dans. Il faut vraiment attendre le. J'adore. J'adore. Et ces derniers chevrons-là qui illuminent le bas du châle, avec un rappel de. Parce que c'est la même. Comment dire? Que le haut. C'est la même combinaison de couleurs que là. C'est les deux couleurs les plus pastel, les plus claires. Voilà. Donc voilà pour le Sri Ashen Valley de Stephen West. Je suis très 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 Tu très content. vois, si jamais je devais faire, parce que j'étais là quand tu as choisi la succession de couleurs, Oui. c'est le genre de châle, enfin c'est l'étape de décision, moi, qui m'inquiéterait un peu, Ah. parce que ça change tout, tu changes tout l'aspect du châle en fonction d'où tu mets les couleurs et comment elles sont. Oui, après, parfois, faut se faire confiance un tout petit peu et pas s'arrêter Oui, ou sur. tenter l'aventure. Oui. Mais ça reste qu'un, je veux dire, c'est pas. Ouais, en fait, tu passes quand même 3 semaines. Oui, mais. C'est pour à la fin te retrouver avec un truc en disant, c'est dommage, il aurait été parfait en Oui, intervertissant deux oui. couleurs. Donc, Mais malheureusement, il y a des choses que tu peux vraiment pas voir avant la fin. Il y a des choses qui sont une évidence dès le début, des couleurs que tu pensais que ça allait coller avec le motif, en fait non, donc là tu défais. Mais après, voilà, sur la concordance, des couleurs, parfois il faut vraiment attendre la fin vraiment et le blocage pour voir. C'est un jeu assez, risqué. ouais, assez risqué, assez périlleux, mais bon, ça fait partie du tricot. Voilà. Et toi, tu as terminé? Mais je sais pas où tu l'as mis. Ouais, il est là. Moi, j'ai terminé le. Hop. Je l'ai mis à l'endroit, je l'ai mis à l'envers parce que voilà. C'est ta spécialité, ça, de mettre à l'envers mes châles. Voilà, j'ai terminé le Satisfaction de Tricot Stitch. Donc, qui a failli ne pas voir le jour, enfin ne pas se terminer. Parce que, il y a quoi, il y a une semaine, on a eu un petit incident et j'ai lâché le châle tout d'un coup. J'ai réglé le problème et quand je suis revenu, j'avais perdu quelques mailles, mais sur 3 rangs peut-être, 3 4 rangs. Et quand vous êtes. À certains moments du motif, c'est quand même. Alors, attends, on va peut-être le rapprocher pour montrer le. Je sais pas si avec la lumière, Oui. tu montres les. Donc, c'est un châle. Alors, qu'on peut faire en fingering, en DK ou en sport. Non. Fingering, sport ou DK. Moi, j'avais envie de le faire en fingering. Une fois que je l'ai commencé. J'ai commencé à douter. Je me suis dit, est-ce que fingering, ça va pas être trop fin? Est-ce que le motif ne serait pas plus mis plus en valeur avec une laine plus épaisse? Et jusqu'à le voir bloqué, ce doute m'a pas abandonné. Et en fin de compte, j'ai demandé à Didier de m'aider à rattraper les mailles. Il a été incapable de le faire. J'ai juste défait. J'ai défait jusqu'à ce que je retombe sur une étape du châle où j'avais toutes les mailles sur les aiguilles. Et donc c'est un châle qui se commence donc en haut avec un garter tab. On peut choisir l'option avec ou sans picot. Moi j'ai pris hop, j'ai pris, je sais pas si on voit, ouais, l'option avec picot, qui sont très faciles à faire. Donc au moment du blocage, on n'a pas bloqué. La bordure. Oh, j'aurais bien aimé pourtant. Regarde. On va peut-être le faire. On verra. Oui, parce que on l'a bloqué jusqu'ici. En fait, on a utilisé les câbles de blocage
parce que la dentelle, quand même, faut tirer pour que ce soit joli. Et on a laissé ça là, mais je sais pas si je vais pas. Bon, enfin bon, ça c'est un doute. C'est intéressant aussi, savoir comment on bloque. Oui. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on commence ici avec un garter tab. Et à chaque rang, on ajoute un motif, donc une fleur par côté. À la fin, quand on se retrouve. Donc, attends que je réfléchisse. Si on commence là, oui. Quand on se retrouve donc à la fin du motif, on prend un côté, on fait des rangs raccourcis pour faire l'angle, on fait la bordure, et rang raccourci au milieu pour le centre du châle, et rang raccourci à la fin pour rattraper la bordure du haut. Donc celle-ci. Alors cette partie-là a été très longue. Oui, parce que spécifie quand même que la bordure, elle se fait en rattachant ce que tu es en train de tricoter au châle. Oui, on a, en Y a, fait, on elle ne a se tricote pas nos. dans ce sens-là. Alors, il y a le sens du tricot qui est comme ça, et la bordure, en fait, elle est dans ce sens-là. Vous voyez le sens du... Voilà. Oui, donc on rattache la bordure. Chaque maille qu'on a sur les aiguilles devient un rang. Donc je ne sais pas combien de rangs ça fait, mais rang 2 points mousse avec la création du picot. Donc c'est assez long. Je crois que j'ai mis 4-5 soirs. Rien que pour la bordure. Alors moi j'ai fait une connerie. Quand elle préconise d'aller jusqu'à 17 répétitions, 17 fleurs de chaque côté ou dans l'ensemble, je sais plus. Non, par demi-côté. Par demi-côté? T'es sûr? C'est Eh aussi oui, peu. quand même, oui. Et moi, quand j'en suis arrivé par là, je me suis dit, mais il me reste une quantité de laine. Allez, je continue. Donc j'ai fait une ou deux répétitions de plus. Et du coup, quand je suis arrivé à la fin pour faire la bordure, je la commence et j'ai vu la quantité de laine que consommait la bordure. Combien tu as de fleurs par demi-côté, toi, t'es allé? Parce que c'est intéressant de... 1, 2, 3, 4, 5, Non, non, 6, non, on ne peut pas 7, les compter 8, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 au lieu de 17. Tu comptes où, toi? Mais tu tricotes, c'est ici qu'il faut calculer le dernier rang. C'est le nombre est le même là? Je sais pas si c'est le même, mais c'est là que tu comptes tes fleurs. Tu les rajoutes à chaque fois. Tu fais Mais ça. tu tricotes dans ce sens-là. Oui, mais tu rajoutes comme ça. Tu rajoutes en triangle. Donc c'est ici que tu rajoutes les fleurs. Tu les rajoutes partout, mais je sais pas combien il y en a en Eh bien oui, longueur. mais c'est faut. Oui, Mais d'accord, mais combien il c'est y a là, de. c'est. En fait, c'est 17 fleurs. Je crois que c'est comme ça que tu calcules. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 16, 17, 18, 19. Ah, c'est la même C'est la chose. même chose, voilà. D'accord. Donc 20 fleurs au lieu de 17. Et du coup, je sais plus où j'en étais dans la bord sur la bord. Enfin, dès le départ, hein, j'ai commencé la bordure et j'ai vu que ça consommait beaucoup plus de laine que la dentelle. Parce que c'est du pamplemousse. Hein. Et il a fallu que j'entame un troisième écheveau. Donc, Mais pas pour beaucoup. alors quand même. Hein. Enfin bon, parce que Bon. j'avais le choix. Quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai vraiment commencé la bordure, et je me suis dit, je vais jamais en avoir assez. Donc j'ai douté, je me suis dit, il y a deux options. Ou j'entame un nouvel écheveau, ou je défais au moins une répétition. Mais attention, en sachant que les écheveaux de Meyrilin qu'il a utilisés, c'est des 366 mètres. Ah, ben c'est pour ça, c'est pas Donc moi alors. vous perdez par rapport, ben vous perdez 40, on va dire 40, 360, vous perdez 80 mètres sur par rapport à un écheveau de fingering de 400 mètres. Donc je pense que si vous le faites avec un écheveau Fingering, c'est de celui-là. fingering de 400 mètres C'est ce qui est ou prêt. 425, si vous prenez la 400 mètres, c'est ce qu'elle chaussette. préconise. Voilà. Donc je pense que les 800 mètres, parce que ça rentre, je crois que c'était 700. Qu'est-ce qu'il y a marqué pour la fingering? 700. Un tout petit peu moins de 800 mètres.
Donc, à mon avis, ça vient de là. C'est parce que c'était. Non, puis parce que j'ai quand même fait trois augmentations de Oui, tu as plus. fait trois augmentations. Oui, trois de Trois plus. motifs de plus que. Ouais. Mais je trouve que bon, il a une. J'avais Ouais. peur. J'avais peur en voyant. Enfin, j'avais peur qu'il soit petit. Et Non, alors, mais c'est peut-être les trois on l'a bloqué. augmentations. Hein, c'est le sortie des aiguilles. Il Ah était oui, il est pas bien grand. comme ça, quoi. Il était tout recroquevillé. Je me suis dit jusqu'à quel point je vais devoir le tirer pour lui donner une forme. Ben comme ça, c'est-à-dire on voit vraiment les motifs. Et surtout Moi, le. c'est ça qui me faisait peur, c'est Et surtout, que j'ai. je connaissais pas le Mérida. C'est la première fois que tu le tricotes et que je le vois tricoter. Et que la première fois que je le bloque. Donc je me suis C'est dit, doux, quelle est hein. la résistance? Oui, c'est doux. Quelle est la résistance? Enfin, la résistance. Oui, jusqu'où on peut aller. Voilà. Jusqu'où on peut aller sur. Est-ce que ça s'étend bien? Et en fait, ça s'étend super bien parce que j'ai pas eu à tirer Moi, ce qui tant que ça. m'inquiétait, c'était une question de tension. Déjà, j'avais peur d'avoir trop serré et que le motif ne soit pas visible. Et c'est ça, c'est que pendant une grande partie, ou tout le tricot, Ouais. on fait un motif Oui. sans pouvoir avoir du recul et regarder si on peut tirer dessus, mais c'est pas pareil. Et voilà, je suis très content et j'ai rien à. Je regrette pas mes choix, autant de couleurs que le patron est très bien expliqué. Et je veux dire, le petit plus avec le tableau, même si au bout d'un. Très vite, on. Il est très simple. Je le conseillerais pas aux débutants parce que c'est quand même de la dentelle. Faut peut-être pas commencer le tricot avec ça, mais il est très simple. Le patron est bien expliqué. C'est seulement hop, le seul point délicat, c'est la création de. Je sais pas si je suis devant ou pas. La Ouais. création des fleurs. Donc, qu'on voit ici. En fait, on crée, c'est dans le même point, on crée 9 mailles. Enfin, dans le même point, c'est même pas dans le même point. Enfin, bon. Ça fait beaucoup de mailles à créer à un endroit. C'est le seul point un peu délicat, mais juste pour une question de tension. On ne sait pas s'il faut serrer ou pas, parce qu'on n'a pas vu le châle fini. Donc, c'est le seul moment, et en fin de compte, ça n'a pas grande importance, ça se lisse au blocage, voilà, hop. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur mon châle? Non, rien. Il est magnifique. Moi, franchement, j'aurais pas eu la patience. Donc, je suis content qu'il ait fait parce que moi, je l'aurais arrêté. Ça, c'est sûr. Il est magnifique. Il est sublime. Mais non, j'aurais pas eu la patience de faire ça et encore moins de le terminer avec cette jolie bordure. Mais il est superbe. Mais je sais que moi, d'autant plus que j'ai eu à rattraper quand il a fait la bêtise là. C'est un point où. Il est difficile de mettre des marqueurs parce que les marqueurs vont se décaler tous les, alors je sais pas, hein, tous les nombres de rangs avec les diminutions Chaque et fois que tout. le motif passe. Et voilà, donc. Ah non, c'est pas pendant le motif, les marqueurs, tu les Oui, je laisses suis toujours au même d'accord, mais endroit. C'est au motif suivant. quand tu fais de la dentelle comme celle-ci, tu poses trois marqueurs, les marqueurs montent de haut jusqu'en bas. Oui, mais Là, il faut les décaler. Il faut les décaler à un moment donné. Alors je vous dis pas quand il faut rattraper un motif qu'on ne connaît pas. Une technique qu'on ne connaît pas pour faire la fleur, Oui, parce que savoir comment elle comme. fonctionne, parce que pour attraper une maille, il faut savoir. Oui, faut être dans le Non, et non, mais tricot. surtout, il faut savoir comment se construit le truc. Quand il y a par exemple un SSK qui se défait ou un câble de tog, la façon de le rattraper, c'est pas la même. Si on veut recréer un SSK, par exemple, au crochet ou peu importe, il faut connaître la construction. Là, la fleur. On va pas dire parce que c'est payant, mais toutes ces augmentations pour faire le motif, à rattraper, non, moi j'ai essayé, mais j'en étais incapable. J'en étais vraiment incapable. Quand il y a des erreurs, des petites erreurs de un jeté, cas de tog et tout ça qui tombent, oui, mais là, non, c'était pas possible. Il fallait défaire et recommencer. Heureusement, oui, c'était en début de rang que c'est tombé. Donc j'ai défait une centaine de mailles et ça a suffi pour. Parce que après c'est non, une fois que. Parce que je crois que j'étais deux rangs au-dessus du point.
quand moi j'ai vu enfin ce qui s'était passé, pourquoi on retombait pas, parce que quand ça s'est défait, je me suis retrouvé avec plein de fils qui se croisaient et je comprenais pas qui allait où et où était le problème. Et quand j'étais deux rangs au-dessus, ça faisait sens et j'ai pu le rattraper. Voilà, faut éviter de perdre une maille sur 12 rangs sur ce genre de dentelle. Mais voilà. Non, très très joli. Voilà. Donc voilà pour le Shell Satisfaction. Non mais là il fait chaud quand même. Voilà pour. Bah c'est déjà pas mal hein, pour les ouvrages qu'on a terminés parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas terminé. Enfin, toi tu as un mono en cours donc Mais moi c'est pas il dur, j'ai commencé s'enchaîne. celui-là le lendemain de celui que j'ai fait et celui-là j'ai commencé le 6. Donc Voilà, moins de 3 semaines, un mais peu moins de oui, 3 semaines. pourtant on a pas tricoté énormément Non. ces derniers jours. Voilà. Voilà pour les ouvrages terminés. On va passer aux ouvrages en cours. Alors, du coup, qu'as-tu sur. Tu as terminé? Est-ce que tu as commencé quelque chose ou pas? Oui, bah évidemment. Donc moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et d'autant plus que. Comment t'appelles ça? Qu'on nous l'avait conseillé. Hop. Que tu l'avais commencé toi, alors que je voulais le faire. Tu l'avais commencé. Heureusement, tu l'as abandonné. Enfin, heureusement, tu l'as abandonné. Comme ça, c'est moi qui le fais le premier. J'ai commencé le. Ah, l'Oregon de Isabelle Kramer. Donc pour le moment, il n'y a rien. Hein. Ça n'a aucun intérêt. C'est un. Je sais même pas si c'est un carré. Non, j'ai dépassé le carré. C'est un rectangle de jersey. Donc je suis. Donc on fait. Je ne me rappelle plus. C'est Hippie Fibre? Oui. C'est la laine que tu avais pris chez. Oui, que j'avais pris en destache chez. Shaggy Tricotte? Non, Oui, c'est ça, oui, Shaggy c'est ça. Tricot. Et J'ai Cou. oublié. Voilà. Donc moi je l'avais arrêté avant de te laisser le. Moi je l'avais arrêté tout ça pour un problème d'échantillon. Parce que j'avais monté une taille M et en fait ma façon elle était de tricoter trop serré en fait au niveau de la largeur. Parce que là c'est pas une question de longueur, mais c'est une question de largeur en fait. Ben c'était trop étroit. Alors c'était pas gênant pour le dos, parce qu'en fait c'est il va pouvoir se mettre dans les deux. Mais le problème c'est qu'à la fin, cette bande-là, il faut qu'elle soit capable De se refermer de sur se la. refermer au moins ici. Et puis de faire le tour du bras. Non, Ah là c'est non. la dentelle après. En fait, il faut juste fermer là. Tu vas construire de là ton bout de manche. Ouais. Et une fois que tu as fermé tes deux côtés, en fait, tu vas faire un relevé de maille en partant de là, tout derrière, tout devant, jusque là. Et après, tu vas faire ton panneau de dentelle. Voilà. Donc moi, c'était juste, je l'ai arrêté et je te laisse la parole. Parce que c'était. Moi, je ne pouvais pas le fermer ici. Mais c'est là qu'on Enfin, se rend moi, compte. pour la personne, pour ma On sœur, se rend compte c'est-à-dire. quand même, avec les mêmes aiguilles, parce que j'ai pris les mêmes aiguilles, la même laine, qu'on ait 20 cm de différence. Enfin, 20, peut-être pas, peut-être 10 cm de Oh, différence. il était vraiment trop petit, je pouvais pas. Là, il y a quand même. Attends, c'est dans quel sens c'est comme ça? Toi, t'as vraiment de la marge. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Ouais, moi, c'était Je me demande si, vraiment. d'ailleurs, Moi, si j'ai c'était pas fait. vraiment. Alors, même si elle a des bras beaucoup, beaucoup plus menus que moi, mais moi, déjà, c'était très, très, très serré là. C'est-à-dire, j'avais pas le. Mais ça m'inquiète un peu d'avoir fait peut-être aussi large parce que comme tu avais fini avec un truc trop petit, et moi j'ai tricoté un peu plus lâche. Je sais pas si je suis pas allé un peu trop lâche que ça fasse Non, parce pas. que très gentiment, Vincent est venu hier me demander qu'est-ce que je pensais de la largeur par rapport au mien. J'ai dit, bon, là, c'est incomparable. Alors, je n'avais pas mesuré, mais. Lauriane, l'eau demoiselle. Bisous si tu passes par là. Je lui ai posé la question hier. Elle a très gentiment répondu. Elle m'a donné la largeur en centimètres, parce qu'elle le tricote aussi dans la même taille. Pas dans la même laine, mais dans la même taille. Et elle m'a donné la largeur en centimètres de la bande Qu'elle est en train de celle-là, qu'elle est faire. en train de faire aussi. Et donc du coup ce matin j'ai dit à Vincent, ben, écoute, vous êtes à 2-3 cm de différence, en sachant que elle le fait en teb camel qui est un drapé un tout petit peu plus un tout petit peu plus fluide. Bon, et après avec la façon de tricoter qui est différente, donc vous êtes dans le. Vous n'êtes pas à 10 cm d'écart comme moi. C'est-à-dire que moi, si j'ai, je pense que je devais être à 15 ou 16, et elle, si elle m'avait dit 36 telle qu'elle est, je crois. Voilà. Mais là, Petit gentil vous êtes dessin. impeccable. Voilà. Mais oui. Enfin, le tissu est joli. Il n'y a pas de. C'est pas déjaugé.
Donc je ne suis pas inquiet, mais bon. Voilà. Donc pour le moment, ça n'a aucun intérêt. C'est assez. Voilà, c'est un carré. Et voilà, et toi, t'as fait quoi? Alors Cette moi, semaine, du coup. T'as commencé quand? ben j'ai fini Ah oui, avant. t'as fini après moi. J'ai fini. On a fait une course sur la fin. Parce qu'on s'est dit, on va présenter. Bon, déjà, on voulait les finir. Et on s'est dit, bon, on va les présenter. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit fini pour le vlog. Et je lui ai dit en rigolant, je lui ai dit, étant donné que les deux sont quand même assez volumineux à bloquer, j'ai dit, je ne sais pas si on pourra bloquer, le faire sécher vraiment pour que tout soit prêt pour le podcast. Et je lui ai dit, premier qui termine. Premier qui, enfin, c'est celui qui passe au vlog. Et en fait, c'est Vincent qui l'a terminé en premier. On l'a bloqué ensemble dans la foulée. Oui, le soir même, pour gagner un petit peu. Et du coup, moi, j'ai bloqué le mien dans la foulée. Et Moi, avoir. alors, moi, pour les ouvrages, alors j'ai repris le Speckle and Pop de Steven West, l'espèce d'étole. Hein. Voilà. Ben, je bute dessus, je bute, je bute, je bute. Donc, j'ai terminé une section là de. Le dessous, là, avec les petits froufrous, là, l'espèce de Mais tu butes bordure. parce que tu t'ennuies, pas par la complexité. Non, je bute parce que je m'ennuie, parce qu'il y a énormément de mailles dessus. Les espèces de trucs froufrous, là, qui sont des chevrons un petit peu décalés, c'est très très proche. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je sais pas, 50 ou 60 marqueurs sur le. C'est espacé de 12 mailles, je crois. Donc, toutes les 12 mailles, il faut faire, à l'intérieur des 12 mailles, il faut faire ces espèces de chevrons sur l'endroit, sur l'envers. En plus, on travaille sur deux couleurs. Un rang, on tricote un rang d'une couleur, on repart au début comme de la brioche et on repart. Bon, un casse-tête. Donc, j'ai terminé un motif et j'ai divisé parce qu'en plus, il est noté que bon, il y a un nombre de répétitions à faire où il dit vous pouvez le faire plus ou moins en fonction de vos goûts et de votre quantité de laine parce que. Moi, je veux pas. C'est pas pour me justifier pour le truc. Je sais pas si j'avais fait le nombre de répétitions totales, s'il serait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas repris la bonne couleur? Est-ce que j'en ai pris plus une que l'autre? Étant donné que je l'ai arrêté un petit moment, je sais plus. En tout cas, si je pense que j'aurais pas eu assez de laine pour terminer ce truc. C'est pas ça qui m'a fait arrêter, je vous dis. C'est parce que ça me saoulait vraiment. Donc, j'ai terminé un motif et j'ai embrayé sur l'I-cord. Donc là, j'ai fait ça d'I-cord. Donc, je le montre pas. Et je veux le clôturer cette semaine, que ce Speckle and Pop sorte de mes aiguilles, parce qu'il est très joli, mais il me sort franchement par les yeux. C'est rare que je dise ça chez Steven West, mais là, la construction, je me suis éclaté jusque-là. Une fois qu'on a entamé cette bordure, ça a été le. Et c'est rare, hein, parce que des aiguilliers, il y en a eu, des chevrons, il y en a eu, et des chevrons un petit peu embêtants comme le Steve Stravaganza, il y en a eu, mais là, non, non, Mais non. c'est ce changement aussi de ce dégradé qu'il y a de couleur qui fait changer de laine très régulièrement tout du long. Je trouve que ça fait. Alors, je peux comprendre que quand tu es designer, tu as envie de donner un effet ou je sais pas. Mais je trouve qu'il est d'autant plus beau quand tu es au début et qu'il n'y a pas de mélange de laine encore. Au début, c'est avec la même laine, non? Non, Dès le début, tu changes. dans le truc là, oui, Dès le début, il ah y ouais, je a. sais pas, parce qu'il y a une partie qui est plus foncée sur vos deux châles, à toi Ben oui, ça et faisait à longtemps. Pauline. Et moi, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire en deux couleurs. C'est-à-dire une couleur En de fait, il y a fond trois, il y a et trois, il y a, il y a trois, il y a trois, couleurs différentes. il y a trois couleurs, il y a trois couleurs de fond et une contrastante. Et en fait, sur la grande bande, on commence avec la première. Tous les points ajourés, c'est là vraiment le coloris très contrasté, contrastant. Et après, on vient faire juste avant de changer de couleur, on vient faire des petits fades pour changer. Franchement, enfin, je pense que tu comptes le faire. C'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire En deux couleurs. en deux couleurs. Une Une couleur. couleur vraiment de fond. Je sais, on a vu celui de Pauline, Oui, il est de un peu Pauline. bizarre. Et moi, ça, c'est en voyant le début de son châle, au début, j'ai cru qu'elle Je avait fait sais que pas d'une seule si. couleur. Ouais. Et ça donne. Ça, en plus, ça fait ressortir les couleurs à Ouais. l'arrière. Le fait que ce soit pas. Il est très 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 très. Enfin, par rapport au mien, il est très coloré, mais je sais pas si tu as utilisé Pauline. Si tu as fait le nombre de couleurs préconisées ou si tu as fait qu'une seule que je me Non, rappelle si, pas. si, Ça varie oui, dans ça le. Ah oui, varie. d'accord. Bon, mais voilà. J'ai pas souvenir. Donc voilà, j'ai. Mis ça sur l'I-cord. Hier, j'ai terminé pour faire la moitié du motif, enfin la moitié des répétitions, et je me suis dit, est-ce que j'en refais pas une? Non, c'est bon, vu la dernière, comment ça s'est passé, Laurent, il m'a pris
presque deux ou trois épisodes d'une série qu'on regardait, donc j'ai dit non, c'est bon, j'ai dit stop. Au retour, je coupe et je fais l'i-cord. Donc j'ai ça sur les aiguilles qui sera terminé pour la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai continué mon crochet. Donc j'ai continué ma couverture, enfin mon plaid, qui sera pas un plaid, enfin c'est un tapis, mais qui sera vraiment pas un tapis parce que pour le travail qu'il va y avoir, je le mets avec les animaux, il est hors de question que je mette le tapis par terre. Donc c'est le, je vous le dis, je vous le redis, Santa Maria. c'est Santa Maria qui est issu, il est disponible en vente sur Ravelry à l'unité, il est, mais sinon il est issu du livre Journey de Marc Rosboom qui est monsieur qui se cache derrière la marque The Guy with the Hook, voilà, en tant que designer. Mais là, il a signé de son nom. Voilà. Donc ça, c'est le bouquin, donc c'est le plaid de Santa Maria. Je vous avais montré la dernière fois, donc là il est bloqué, c'est le gra... enfin, on va dire granit, parce que, mais bon, c'est pas un granit. Une rosace. Voilà, une espèce de rosace, un hexagone. Depuis, j'ai donc, j'avais recommandé, parce que je vous ai dit, c'était, j'utilisais les cotons que j'avais pour la... Mais j'avais pas assez de couleurs qui contraste, donc ça j'ai fait ce que j'avais. Donc j'ai Pour la FICA, oui. voilà pour la FICA. Donc là j'ai recommandé et j'ai fait les granits correspondants. Donc j'ai fait celui-là de plus. Donc celui-là, je vous dirai les coloris où je non, bon, c'est la même marque de coton, mais c'est donc là avec le coloris rose. Donc j'ai fait celui-là qui est bloqué. Okay. Donc il y a celui-là, Hop là. celui-là. Après j'ai pris un bleu foncé là. Un bleu foncé Et un et beige ou un un gris. ouais, donc... voilà. Donc là, je suis avec le coloris bleu. Donc celui-là, c'est le il n'est pas bloqué celui-là. Oui, je l'ai fini hier soir, oui, parce que je me disais, il est bien. Oui, donc Voilà, on voit que entre bloqué, pas c'est. bloqué. Oui, voilà. Donc j'ai fait celui-là. Donc j'ai coupé, bien entendu. On n'est pas des sagouins. Quand on fait du granit, on coupe au fur et à mesure, hein, parce que sinon, on change de fil tous les rangs. Donc à chaque fois, on a deux fils, enfin, sauf le premier, mais après, on a deux fils à chaque fois, le début de fil, enfin, le fil de fin et le fil de début de l'autre couleur. Donc moi, je rentre comme ça, j'ai rien à faire Mais c'est fini. à la couture. Donc j'avais fait celui-là. Ah oui, celui-là. C'était le premier que j'ai fait avec le nouveau bleu. Et après, j'ai fait, parce que j'ai pris un autre bleu ciel. Et j'ai mélangé le bleu ciel avec. En fait, lui à la base, c'est comme ça qu'il fait. Il choisit une couleur dans la même tonalité, c'est-à-dire dans les bleus, il va choisir un bleu pâle et un bleu foncé. Et il fait en fait tout ça. Moi, j'ai mélangé quand même les couleurs. Là, c'est un beige. Là, c'est beige et bleu. Là, c'est gris. Celui-là, il est gris et rose. Et là, c'est un beige et pourpre. Enfin, violet. Ouais, un peu comme le châle, là. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait cela et Donc ça fait 4. 4 et il y a celui-là qui est en train de... C'est le dernier où Donc on voit pas les celui-là il couleurs. est gris et vert. Sur fond vert, c'était bien Voilà, choisi. sur fond vert mélangé. Non, parce que tu m'avais offert le truc pour en bois pour... Oui. Oui, d'ailleurs, je te demandais pourquoi tu ne l'as pas Oui, et utilisé. ben c'est trop grand. Je voulais les traîner et en fait non, c'est trop grand, donc ça rentre pas avec les petits pics. J'étais tout content, je dis ça va être super joli. Super joli, oui, ça va être joli. Et en fait, ça rentre pas dedans. Donc, du coup, ben, Les trucs sont trop grands, non? on T'as bloque à la taille l'ancienne. définitive du. Je le marquerai. Voilà. Et je vais vous filmer parce que je l'ai pas fait parce que je voudrais décrocher celui-là. Je vais vous filmer, vous montrer, vous filmer à plat. Comment. Alors, ça sera pas du définitif, hein, mais voir comment ils se mettent. Voilà. Pour qu'il y ait un petit visuel, en sachant qu'il faut faire, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, celui-là c'est le cinquième, j'ai commencé le sixième, qui est je sais pas où, bon peu importe, j'en suis que là, donc j'en arrive presque à la moitié des hexagones, parce que je crois qu'il faut, je vais pas dire, parce que c'est payant, mais je sais, ça Et c'est tu l'as ça, dit la semaine dernière. bon il en faut 13, j'avais dit 16, mais c'est 13, 13, 13, Gros. 13 gros, et après il va falloir faire des demi, qui je sais, je sais plus, la moitié je crois. Peut-être, la moitié. Voilà. Donc du coup, je suis presque à la moitié, ça monte en... Tout compris, avec le coupage de fil, enfin le coupage et rentrage de fil qui prend quand même un peu de temps, 1 heure à peu près. Si on s'y tient et qu'on s'arrête pas, il faut 1 heure à peu près pour monter le granit. Donc rien de compliqué.
Donc ça en fait, si tu au crochet numéro si 4. Tu voulais vraiment, ce soir, on aurait le tapis, c'est ça? Ben, je pense que sur un week-end, si t'en fais... Ouais. La perte de temps, elle est dans le changement de fil. Elle est dans le changement de fil. On peut quasiment sur tous les rangs... Oui, on peut quasiment sur tous les rangs faire suivre le fil pour le cacher à l'intérieur, sauf sur un, où là on est vraiment obligé de le couper et de le rentrer vraiment à l'aiguille, mais quasiment sur tout, on peut faire suivre les fils et les cacher en même temps qu'on crochette. Donc du coup, une fois que on a juste à couper après, sauf un ou deux, le début, même si dans le cercle magique, le fil de queue suit, il faut quand même le tirer, et pour pas qu'il bouge, pour pas que le cercle se réouvre, il faut quand même le bloquer et le rentrer. Il faut vraiment faire un nœud, donc celui-là aussi est à rentrer. Donc il y a vraiment deux trois fils à coudre, et après le reste, si vous le faites suivre de façon parce que j'ai toujours été habitué. Ma mère, quand je lui montrais toujours des ouvrages au crochet ou au tricot, avant qu'elle regarde le devant, elle regardait le derrière. Et elle me disait, si ton ouvrage est propre à l'arrière, c'est qu'il est bien fait à l'avant. Voilà. Donc j'ai toujours eu cette habitude, parce qu'elle me tapait un peu sur les doigts quand je laissais des fils, quand c'était mal rentré et tout. En fait, elle était plus regardante sur l'intérieur que sur l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, donc ça a bien avancé, c'est cool. Tu as une enfance tyrannique, alors. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, pour avoir la même taille, en fait, j'attends... Bon, celui-là, il est sec. J'attends d'en mouiller et d'en essorer. Et en fait, je le pique, j'enlève ça et je me positionne sur l'autre, en fait, pour avoir exactement la même taille de blocage. Même s'il va être après cousu et rebloqué une fois, mais au moins pour avoir les hexagones, quand on va les coudre au crochet, en point, je sais plus s'il fait du... Mais du coup, ça aurait été pratique, le truc en bois, si tu l'avais eu, parce que t'aurais voilà. Su où... Ouais, mais là, c'est pas le cas. Donc là, en fait, j'attends que ça soit sec, je le retire, il y a les marques des picots dans le... dans ça là, donc on voit bien là où c'est piqué, et je repositionne de suite, mais j'attends que le suivant soit mouillé pour le sortir, pour qu'ils aient tous le même blocage. Donc là, ça avance bien, c'est cool. Donc maintenant, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire le tricot le soir devant la télé, et c'est quand même plus pratique d'avoir, quand je suis entre les teintures, entre les commandes, ou quand je suis au bureau là, quand j'ai un petit peu de temps et que je veux faire quand j'ai envie de faire un truc. C'est plus pratique d'avoir un crochet, parce que le crochet, on peut s'arrêter n'importe où, on peut le... Voilà, c'est pas aussi... comment dire ? C'est pas aussi structuré, si c'est le terme, que du tricot. Donc du coup, voilà, je pense que je vais l'avancer plus rapidement, en le réservant l'après-midi, les après-midi, pour les pauses, voilà, à l'atelier. Et puis le soir, je continuerai le tricot, en sachant que je veux clôturer le Speckle and Pop. Là, cette semaine, dans la foulée, le Blessy Blossom Bulby, je sais pas quoi, de Steven West. Voilà, de Steven West. Donc, après le Speckle and Pop, c'est celui-là qui arrive. Donc, il faut que ça soit clôturé. Le Blessy Blossom, la truc là, il m'en manque quand même pas mal à faire. Hein. Donc, nous sommes aujourd'hui le. Ah, mais le premier. Nous sommes le 1er avril. Donc, il faut que d'ici un mois, bon, le Lycord il va être fini. Il faut que le Blossy truc, là, Blossom, là, il soit terminé, parce que le Yal de Steven West commence le début mai. Donc, je veux en être débarrassé. En sachant que j'ai pris la décision d'arrêter. Oui. J'ai pris la décision d'arrêter la Woodside Christmas Blanket. Parce qu'en fait, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me saoule, ça me... Non, j'ai pas la... Non. Non. Donc, du coup, Vincent m'a dit... Parce que, en fait, je me suis dit, j'en ai une autre en vue qui nécessitera moins de prise de tête. Et maintenant, je veux plus me forcer. Je veux plus... La Woodside de truc, elle est super belle. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais la faire. Mais je veux plus me forcer. Donc, je me suis dit, je vais récupérer les laines de la Woodside. Et je vais faire la prochaine, dont je vous en parlerai, dont je vous parlerai plus tard. Et en fait, Vincent m'a dit, mais si tu veux, je... Non, pas si tu veux, c'est que t'as abandonné déjà la FICA. Si t'abandonnes celle-là, c'est bon, moi je...
Non, maintenant, bon, il va la faire. Alors maintenant, quant à savoir si il va pouvoir récupérer derrière moi, parce qu'on tricote pas du tout pareil. Ou ah, mais j'ai pris la décision parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je serre un peu plus pour avoir la même tension que toi. Et je me suis dit, non, je vais tricoter normalement. Parce que déjà, alors, c'est à trois couleurs par endroit. Très rarement. Avec du tissage et du jacquard. La tension, peut-être que je ferai au début un peu attention pour que ça se détende doucement, mais non, je vais tricoter normalement. Voilà, donc c'est Vincent qui récupère le. Et sur certains. Oui, parce que cette semaine, en plus, tu décides de l'arrêter la semaine où Web la remontre sur son vlog et j'ai envie de l'avoir à la maison. Ouais. Donc. Bon, mais c'est Vincent qui le fera. Et maintenant. Parce que je traverse une période où j'ai envie de tout faire et j'ai envie de rien faire. Et en fait, il y a beaucoup de. J'ai de la patience qui s'évalue à peu près à moins 10, moins 50. Voilà. Donc, je commence et dès que ça me saoule, je défais. J'ai commencé un châle, donc je ne vous ai pas parlé. Et maintenant, c'est ce que je vais faire quand je ne suis pas sûr. Quand je ne suis pas sûr du. Si je vais le continuer ou pas, je ne vous en parlerai pas. Donc, peut-être parfois, vous allez voir arriver des châles ou des ouvrages. Il y a passé une semaine où tu triquetais presque que ça. Les après-midi, oui. Ouais. Il y a des. Voilà, donc parce que j'ai vraiment pas envie de vous montrer des trucs en disant après je l'ai défait, je l'ai monté, parce que même moi ça me saoule. Donc, sur certaines choses où je suis vraiment pas sûr de le continuer pour X ou Y raison, en fait, je vous en parle pas et je vous en parlerai qu'à un moment où je suis sûr de ne pas pouvoir faire machine arrière ou de vraiment de le continuer. Donc du coup, peut-être attendez-vous de temps en temps à voir arriver un châle qui... Bon, je ne l'ai pas fait en deux jours, mais avoir un châle qui est déjà abouti parce que j'en ai commencé un. Je me suis trompé au niveau de la... Je me suis trompé au niveau de l'assemblage de fibres. J'ai voulu associer deux fibres qui ne... pour cet ouvrage-là, qui ne collaient pas ensemble. J'ai persisté. J'ai persisté sur une section d'en plus de brioches bicolores à motifs avec plein de diminutions, d'augmentations et tout. Et quand j'ai essayé d'étirer un tout petit peu le motif, ça c'était, il y en avait une fibre qui était beaucoup plus souple que l'autre. Donc en fait, c'est complètement, en fait, la brioche était illisible. Donc j'ai voulu continuer. Je me suis dit, je vais finir le motif et voir ce que ça donne. J'étais même prêt dans ma tête à me dire, je vais bloquer l'ouvrage. Encore sur les aiguilles, comme ça, pour voir. Et à un moment donné, je ne sais pas, parce que je travaille sur câble court, à un moment donné, pour faire avancer la brioche, j'ai un peu trop tiré. Et en fait, l'aiguille est sortie et j'ai perdu ça. J'ai perdu ça en sachant qu'il y a, sur ce motif de brioche, il y a un rang qui est assez prise de tête, dans le sens où il y a beaucoup de diminutions qui se font sur l'envers. Et de façon pas très intuitive. Donc là, quand j'ai lâché les aiguilles et j'ai défait. Et j'ai tout défait parce que ça me plaisait pas. Ça sert à rien là. Il y avait plein de choses qui faisaient que ça pouvait pas coller. Donc du coup, j'ai bien fait de pas vous le présenter et je vais le recommencer, mais beaucoup plus tard. Là, maintenant, on verra ça plus tard parce que je veux le faire. Oui, parce que le patron te plaît quand même. Ah oui, le patron me plaît pareil. Là, c'était une erreur de ma part. Deux combinaisons de fibres qui n'étaient pas du tout compatibles et la section de brioche je la zapperai peut-être parce que quand je regardais la section de brioche je regardais la mienne, j'allais voir sur les, alors il n'a pas été, c'est un châle, je vous en parlerai le moment venu, c'est un châle qui est sorti déjà depuis 2021 qui est pas très bien, il est magnifique mais il n'est pas très bien noté pour plein de raisons. Pas super bien expliqué. Ah, alors, moi, pour l'instant, j'ai pas forcément trouvé... Il y a juste pour une méthode de diminution de brioche que j'ai trouvé plus simple à faire que ce qu'elle préconise, mais hormis ça, c'était pas... Là où j'en étais, sur la troisième section, c'était pas... Mais il y avait plein de testeuses et de débutantes de celles qui avaient commencé sur Ravelry qui disaient moi j'ai arrêté parce que elles l'ont quand même laissé. Et il y en a beaucoup aussi qui l'ont commencé. Elles ont buté sur cette partie brioche et elles ont continué après, mais en disant ouais, c'est pas intuitif, c'est pas forcément simple. Et moi, ce que j'ai vu aussi de ces. Enfin, des patrons, pas des patrons, comment dire, des ouvrages qui ont été réalisés avec ce patron, c'est le choix des couleurs qui est très proche dans l'idée, dans comment dire ça.
Quand tu regardes les différents modèles qui ont été tricotés sur ce patron, le choix des couleurs, et il y a quelque chose en commun dans tous les. Je crois que je sais plus exactement, je crois que c'est le fond qui est. Il y a un blanc ou un clair à chaque fois, et ça. Si ces combinaisons de couleurs ne te plaisent pas, pour se projeter sur autre chose, tu aurais dû continuer parce que toi, tu avais choisi autre chose en couleur. Ça marchait. Je vais repartir sur le même, je pense sur le même combo, mais dans Mais une du coup, même est-ce qu'on montre fibre. une photo du. Est-ce qu'on dit de ce que de quoi on parle ou pas? Oui, je vais. Alors, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais je vais vous montrer la photo du design. J'ai fait même des photos de la construction. Je peux vous le montrer si vous voulez, parce que c'est pas, j'ai rien à cacher, hein. Jusque là où, je sais pas si j'en avais. Oui, je pense que j'avais fait des photos jusqu'à la brioche. Oui, je pense, du début du chat. Donc, je vais vous le noter là, si vous avez envie. Attention, je le répète, attention, quand vous lisez bien les commentaires des testeuses, il n'a pas été fait énormément de fois, mais allez voir les commentaires et les inscriptions, même si c'est en anglais, vous pouvez traduire sur Ravelry. Attention. C'est un cheval qui est magnifique, mais apparemment. Alors, ce que je lisais après, parce qu'il y a des techniques, apparemment, ouais, c'est. La brioche n'était pas que le seul souci, apparemment. C'était, quand je disais sur les autres techniques, après, deux points après, je ne sais pas si c'est peut-être une question de formulation, une forme. Ouais, c'était pas. À voir, je ne suis pas allé jusque-là, mais quand on regarde dans la nomenclature et dans le. Comment on appelle ça, le truc des abréviations, là, il restait encore plein de points où c'était un petit peu flou sur. Entre le sigle et et la définition, entre guillemets, comment il fallait le faire. Je me suis dit, à mon avis, là, il va falloir aller Retourner sur piocher, YouTube. retourner sur YouTube pour voir s'il n'y a pas plus simple, parce que, voilà, les diminutions torses sur l'envers, bon, voilà, c'était rien que ça, c'était pas du tout impratique donc, il y avait beaucoup plus simple que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, à voir, donc, je vais vous montrer, c'est. Un très 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 beau châle. Je me suis dit, comment ça se fait que ce châle n'a pas été? Non, parce que quand on voit un modèle comme ça, quand on n'est pas rentré encore dans la fiche, on se dit, bon, il a été fait quand même, on s'attend à ce qu'il ait été fait quand même pas mal de fois. Et là, je sais plus, il a été fait moins d'une vingtaine de fois, je crois. Alors Mais que c'est. c'est un bon indicateur aussi, parce que moi, il y a plusieurs châles que j'ai envie de faire, et quand je vois qu'il a été fait peu de fois alors qu'il est de 2016, il est beau, il plaît obligatoirement quand on le voit, et il plaît obligatoirement à un grand nombre de personnes. S'il a été fait peu de fois, c'est ou qu'il est à 10 000 euros le patron, ou que des personnes se sont ont trébuché en le faisant. Ouais. Là, jusqu'à la section brioche, hormis il y a les trois sections, hormis ce petit truc de brioche diminution, il n'y avait pas forcément de difficulté jusque-là. Bon, j'ai buté là-dessus. Et puis voilà. Donc, un ouvrage vraiment à refaire, mais je pense que je vais le reconstruire. Pas reconstruire. Je pense que je vais vraiment entre guillemets, le lire vraiment jusqu'au bout et de regarder les techniques avant de commencer et pas d'être sur la maille en disant comment on fait cette technique-là. Parce après, il y a des trucs. Je crois qu'il y a des techniques avec des doubles ou triples jetés qu'il faut retricoter pour faire des petites comme pas des nopes, mais des trucs un peu. Bon, là, c'était un petit peu flou sur le truc. Bon, celui-là, je l'ai stoppé. Donc, c'est en ça que je vous disais que je ne montrerai sur certains ouvrages quand je veux me lancer parfois des défis. Parce que ça sert à rien de vous montrer des choses et quand il n'y a pas d'aboutissement. Donc, j'attendrai vraiment quand c'est sûr que je le. Termine dans la foulée ou avec tous les autres en cours, je le montrerai. Là, je savais que je savais pas, j'étais vraiment pas sûr ni. Le combo, les couleurs, je le trouvais canon parce que je sortais complètement, comme tu disais, du cadre d'un petit peu du mood board que de toutes les testeuses ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc j'ai pas de. On verra, je vous mettrai des images, mais celui-là, je l'ai stoppé. Et là, pour l'instant, je ne reste que sur la couverture au crochet et à terminer les deux châles de Bubbly. Bubbly Blossom Chaud. truc, shawl de Steven West. En sachant que j'ai éliminé la fika au crochet, puisque je les récupère par ça. La Woodside Christmas Blanket, c'est sûr, j'en ai fait mon deuil, je ne veux pas la faire. Le Mais Swamp. c'est assez récent, c'était venu comme Oui.
Oui. Et le Swanto Cottage, le truc, je n'ai pas fait mon deuil parce que je n'ai pas dit mon dernier mot, parce que je veux, quand je suis devant l'ouvrage et que je me dis faut que je le défasse alors qu'il débute, parce que j'en ai fait peut-être déjà ça. Non, je vais pas le défaire de suite. On va voir, je vais voir, mais je vais le faire. T'enterres pas l'idée. Non, j'enterre pas l'idée, je vais le faire. Je vais le faire, mais d'une façon différente. Je vais le continuer, mais d'une façon différente. Voilà, donc là aussi, je n'en parlerai pas tant que c'est pas sûr qu'il soit à une taille avant un point de non-retour. Là, je peux faire encore machine arrière parce qu'il n'y a pas de. Mais bon, le Swanto Cottage, ça c'est sûr, j'ai pas dit non, donc je me libère un petit peu de. Je me libère un peu trop. J'ai envie de faire plein de trucs. Et comme je suis plus, moi, dans la. Comment dire, dans la. Dans la réalisation que dans l'ouvrage fini, en fait, je m'en contrefiche de ne pas finir l'objet. C'est-à-dire que c'est une technique, c'est un point, c'est un motif, c'est un truc qui va me donner envie. Après, qu'il n'y ait pas de finalité, mais bon, là maintenant, c'est pas possible parce qu'il y a de la laine un peu partout. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas d'autre ouvrage au tricot avant le. Une fois que les deux seront terminés, je vais attendre le YAL et je vais faire un ouvrage pour éliminer les fils. Je sais lequel déjà, mais. Je vous en parlerai en temps prévu. Un châle en fil doublé, mais je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Voilà. Après le YAL ou... J'ai pas compris. Mais peut-être, tout dépend comment le... Tout dépend. Si la couverture, si la couverture et si le plaid est terminé, je ferai peut-être le châle en fil doublé parce qu'il y a, c'est comme c'est un modulaire, il est possible de le mettre en pause. Voilà, c'est un petit peu au long cours comme on avait fait le cristal ou le fragment. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'accord. Mais d'ici là, peut-être que j'aurais encore changé d'avis. Mais bon, c'est pas dit. Voilà pour tout ce que moi j'avais à vous dire, de ce qu'on avait à vous dire pour nos encours. Ouais. Voilà. On va passer à la partie suivante, qui est la partie achat, cadeau et un petit peu de blabla. Enfin, même si on a fait du blabla quand même entre. Ouais, c'est vrai, t'as beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai rien dit. Bon, entre nous. On y va. Pour la partie achat, on va commencer par la partie cadeau. On a reçu cette semaine de la part de Sylvie des petits cadeaux. Donc merci beaucoup Sylvie, tu vas te reconnaître quand tu vas voir les... On a reçu déjà chacun une petite pyramide en pierre. Donc moi c'est en lapis lazuli. Non, donne... On n'est pas dans le cadre, on est dans le cadre encore. Je me cache. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le lapis lazuli et l'améthyste. Bon, ces deux pyramides, on n'arrive pas trop à vous les montrer. Voilà, hop, comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, le lapis lazuli et l'améthyste. Donc, on a reçu ces deux petites pierres en cadeau. Je vais le mettre là pour ne pas les casser. Ah, mais je récupère pas la mienne, alors. Si, c'était sûr de ne pas la casser. Oui. Voilà. Donc, on a reçu ça et elle nous a aussi offert, il faut qu'on le fasse aussi, un oracle. C'est l'oracle égyptien d'Isis. Alors, il était censé me tirer les cartes hier et en fin de compte. Et ouais, non, bah avant-hier. En fait, non, tu m'as dit. Ce week-end et en fait, j'ai pas eu. Je l'ai posé là pour le vlog pour pas l'oublier et en fait, j'ai pas fait ça. Voilà. Donc, ce joli oracle d'Isis avec de superbes cartes superbement illustrées à l'intérieur. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Ensuite, pour les achats. Alors, les achats, on va commencer par la marque Dolly & Jack, qui est tenue par Damien. Ce sont Damien et Mathieu, qui sont deux artisans cirés du sud de la France qui font des bougies à tomber par terre. Ils ont sorti leur nouvelle collection Coffee Shop. Alors, Coffee Shop. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Dolly and Jack. Et ils ont un vlog et ils font des lives de toutes les semaines, je crois, sur YouTube avec le pseudo « Deux gars et un chien ». Voilà. Donc, ils ont sorti leur nouvelle collection, là, pas dimanche, donc pas hier, mais la semaine dernière. Donc, leur nouvelle collection inspirée, enfin, c'est Mathieu... C'est ça, oui, c'est Mathieu. C'est Mathieu qui a un petit peu formulé, donc du coup, il apparaît, Mathieu, sur les étiquettes de cette nouvelle collection. Donc, moi, j'ai commandé, mais je crois qu'il y a que... Alors, comparé aux autres, par exemple, de Noël, qui sont des collections éphémères, apparemment, ils ont dit que celles-ci, ce sont des collections qui allaient être... Disponibles en permanence. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les nouvelles, voilà. Donc, moi, je me suis commandé la bougie chocolat. Voilà.
donc on voit Mathieu en train de chocolater. De chocolater, voilà. Donc chocolat. J'ai commandé cappuccino. Donc la taille, voilà, la taille de la bougie, hein, c'est un. Je peux sentir parce que j'ai. Donc il y avait cappuccino et j'ai commandé. Alors spéculoos. Alors ils ont reformulé parce que moi j'avais acheté le coffret coffee shop l'année dernière. Donc j'attends de voir la différence. Bon, déjà. La senteur, c'est. Cappuccino, c'est, ouais, c'est génial. C'est la spéculoos. Je suis pas. Alors, moi, les parfums synthétiques, et même oh, naturels. La cappuccino. Hein. Oh, mais t'as envie de le. Non, c'est bon, mais je préfère quand même cappuccino. Voilà, donc ils ont sorti 3 parfums. Mais moi, les parfums synthétiques, j'ai souvent des difficultés quand. À chaque fois qu'ils choisissent des parfums comme ça pour la maison, je suis. Avec eux, il n'y a qu'une fois, je crois. Il y a une bougie qu'ils ont fait que j'appréciais moins. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de tomber sur des gammes comme ça de bougies qui me plaisent autant. Enfin, c'est pas qu'ils me plaisent parce que les autres parfums sentent bon, mais il y a quelque chose qui me sature très vite. En général avec les bougies et les parfums d'ambiance. Il n'y en a qu'une sur laquelle j'étais moins fan, c'est celle de Noël, je crois. Il y en a une où, voilà. Une de Noël, parce qu'il y en avait plusieurs, mais ouais, il y en avait une plusieurs. En particulier qui. Ouais. Je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'était celle dans le gros pot blanc. Voilà, on était un peu moins fort, on l'a fait brûler, mais bon, il n'est pas. Un petit peu moins. Et donc celle-ci, alors là. Les pots, c'est eux. Et en fait, ils travaillent avec une artisan cirier qui s'appelle l'étincelle. Une artisane cirier. Je ne sais pas si on accorde. Je crois qu'on n'accorde pas. Qui s'appelle l'étincelle gourmande. Alors c'est en vente sur leur site, mais aussi sur le site de l'étincelle gourmande. Ça sent le chocolat. Donc là c'est l'étincelle gourmande, c'est rocher praliné et regardez-moi la beauté du truc. Donc c'est vendu en pot comme ça. Oui, j'ai enlevé le scotch de façon très la protection de façon très approximative. Donc j'ai un peu mascagné le. Voilà. Donc regardez rocher praliné et j'avais. Je vous ai peut-être montré, là, j'avais commandé, c'était le truc chocolat orange où il y avait un petit quartier de mandarine ou d'orange dedans. Enfin, franchement, le travail, super. Puis alors, ouais. On y est. Hein. On y est. Et même celle-là, celle à l'orange, en fait, comme j'enlève la protection, parfois je me disais, mais je me posais la question, je me dis, mais comment ça se fait que ça sent l'orange dans le. Et en fait, même sans la faire brûler, l'hiver avec le chauffage, ça dégageait le. La senteur. Je suis pas assez souvent ici pour. Ouais. Voilà. Donc ça c'est l'étincelle gourmande et on a eu. Hop. Alors là il faut que je m'achète un petit récipient avec le petit truc avec le brûle chauffe plat parce qu'ils font aussi des tartelettes parfumées à faire fondre. Voilà et on a eu en cadeau patates douces et sucre brun. Voilà. Je sais pas si ça doit être en vente certainement sur cette référence sur le site. Voilà. Qui sont des petites. Je vais pas l'ouvrir pour la senteur mais qui sont des petites tartelettes. Des petites ronds qu'on met au-dessus d'un brûle-plat. Des pastilles. Et des pastilles, que, voilà, que ça fond. Et puis, vous pouvez... voilà. Donc, ça, c'était pour la boutique. Pour que ça sente bon. Tu vas pas tout garder. Non, je vais pas tout garder. Parce que non, celle que j'avais dans le... C'est pour ça. Moi, je me serais jamais imaginé avoir des bougies dans mon bureau à côté de moi pour travailler. Ou même... et celle-là et celle que j'utilisais... Donc voilà. Tu peux peut-être cappuccino. Mais c'est autant il y en a parfois quand c'est pour les pros, enfin comme c'est un petit peu pour tous les artisans, quand on sait que c'est éphémère ou quoi que ce soit, ben on va sauter dessus parce que déjà c'est en quantité restreinte. On va entre guillemets l'économiser parce qu'on se dit si la bougie par exemple sent super bon mais qu'après ça se refait pas, ben on va pas la faire brûler des semaines et des semaines, donc voilà, on le fait brûler petit à petit. Mais là je suis content parce que c'est quand il y a des
quand il y a des coloris à demeure, des senteurs et des voilà des senteurs à demeure, ben tu te dis ben c'est cool parce que là si le cappuccino il est aussi bon qu'il sent bon, oui. Qu'il sent bon, ben aussi une fois brûlé que là comme ça, franchement je pense que c'est quelque chose qui sera recommandé assez rapidement à la fin de la bougie. Bien que on en a fait brûler quand même ici pour Noël. Comme on a reçu du monde, on le faisait brûler le soir et tout. Enfin, on dirait que les bougies sont inépuisables. Donc, sauf celles que j'avais dans le bureau qui voilà. Bientôt. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et ensuite, on a reçu une commande de laine. Donc, c'est la première fois que je commande chez elle. C'est la teinturière Edge Hog Fiber. Voilà. Donc, c'est la première fois que je commande chez elle. Donc, moi, alors, sans savoir, j'ai commandé un kit. Et après, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, tu regardes s'il y a des choses qui te plaisent et tu te prends ce que tu veux. Donc, tu vas présenter ce que tu as choisi. Et moi, alors, moi, sans savoir ce que j'allais faire avec, en fait, j'avais craqué sur ce kit-là. Voilà. Donc, le premier qui est un 90% Merino, 10% Nylon, qui est le coloris Potluck. Voilà, donc c'est un multicolore à speckle. Voilà, très joli. Le deuxième qui est twisté, c'est un 100% Merino. C'est le même color. Ah, mais oui, non, mais c'est parce que c'est le. Ils vont porter le même nom, je suis bête. C'est le kit qui s'appelle comme ça, Potluck. Donc c'est ce coloris-là. Donc un tout petit peu plus pastel avec des petits speckles. Et vous voyez que là, celle-ci, la 100% Merino, elle est twistée. Mais twistée correctement. Hein. Ouais, elle est twistée correctement. Et celle-ci. Alors, je me suis trompé. Je vous le montre. Et après, je peux le... Donc, celle-ci, qui est toujours Potluck, et qui est 100% Merino, mais qui est une Ultra Lace gamme qui va arriver, moi, incessamment sous peu, parce que je l'ai là, mais je ne l'ai pas encore teint, qui est un 100 grammes pour 1200 mètres. Alors, pourquoi on se sert de l'Ultra Lace? Pour deux choses. Soit on veut faire de l'Ultra Lace pour de l'Ultra Lace, c'est-à-dire avoir une dentelle ultra, ultra, ultra fine. Parce que c'est quand même 100 grammes pour 1200 mètres, donc le fil est ultra, ultra fin. Mais la plupart du temps, ce fil est utilisé pour doubler. Mais comme pour le mohair, c'est-à-dire que tu oui, rajoutes... Oui, mais de façon à ce que ça ne change pas l'échantillon. Le mohair, par exemple le mohair et soie, la lace mohair et soie, la lace tape nuage chez moi, ou la tape cocoon, elles vont changer l'échantillon si vous la doublez à une fingering. Parce que c'est le but. Vous allez le doubler, ça va vous donner soit de la sport, soit de la déca. Presque la déca. L'Ultra Lace, elle va quasiment pas changer, voire pas du tout, l'échantillon. Mais elle est utilisée pourquoi? Pour donner un autre aspect. Et là, je pense que celle-là, elle a été teinte pour être doublée avec celle-ci, pour donner un petit côté chiné. En fait, ça donne l'Ultra Lace, quand on teint un coloris, par exemple, marron, en fingering. Et qu'on va teindre un coloris, par exemple, rouille, sur de l'Ultra Lace, quand on va mélanger les deux, ça va créer avec le tricot, parce que forcément, en le tricotant, on ne va pas tricoter toujours les brins oui, dans, la même... dans le même sens, ça va être retordu différemment, donc c'est ce qui va créer ce côté chiné. Donc moi, cette gamme, elle va arriver. En fait, parce qu'il y avait, il y avait des kits qui étaient comme ça, et c'était soit de l'Ultra Lace, enfin, c'était soit de la Lace... Enfin, le troisième, c'était soit ça, soit des laines un petit peu frisées. Alors, comme les laines frisées, j'en avais déjà tricoté. Ou des laines poilues, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre ça. Mais moi, je pensais que c'était un troisième écho de fingering. Et quand j'ai regardé, c'est pas fingering, mais c'est l'Ultra Lace. Donc, du coup, c'est pas grave. Je vais voir si je double celui-là avec celui-là. En tout cas, comme d'habitude, je vais réserver ça pour un seul ouvrage. Et soit je... Ah non, pas du tout. Non. Non, j'ai dit n'importe quoi. Non, mais non, parce que j'ai décidé de faire autre chose. Hein avec le ah, parce que tu avais vraiment l'intention de les mettre ensemble au départ. Ben, bon, j'aime bien quand je commande des trucs comme ça, de tricoter ouais, pour non, avoir comprends. Le souvenir que tout ouais, est ouais, en... Oui, je comprends. Non, mais chacun, oui. Continue, s'il te plaît. Les gens attendent. Voilà. Donc moi, c'est celui que j'avais choisi. Donc c'était le coloris, enfin le kit Potluck. Voilà. Donc très content. Voilà. Et moi, alors il m'a demandé. Alors le problème, c'est que alors, j'étais. Quand je suis pas. Choisir de la laine quand j'ai pas un tricot. Parce que aller sur un site et trouver de la laine belle et la prendre, je suis capable de le faire. Ça me pose pas de problème. Mais là, c'était pas le moment. Je sais pas, il m'a pris dans la journée en
en passant, il m'a demandé de le faire et j'étais pas dedans. Et bah, je me suis quand même laissé prendre au jeu et j'ai pris. Alors je donne les noms aussi. C'est oui, j'ai le Bubble. Donc alors, tu vas peut-être t'approcher. Le coloris Bubble. C'est tout de la single. De la single 100 grammes Merino, 100 grammes pour 366 mètres. Donc ça, c'est le coloris Bubble. Voilà. Donc multicolore à speckle. Il y a Monsoon aussi. Hop. Ça, c'est Monsoon. Monsoon. Et alors ça, c'est le coloris. J'ai eu tout de suite en tête envie de le tricoter Caterpillar, je crois. Caterpillar. Oui, j'ai eu tout de suite envie de le tricoter dans... Si je faisais... Comment il s'appelle ton châle, là? Celui que t'as du mal à finir, là. Speckle and Pop. Speckle and Pop. J'aimerais bien utiliser celui-ci en fond. Et... Alors celui-là, par contre, je ne sais pas du tout, parce que... C'est Crocus. Il est pâle mais coloré, il est... C'est très joli, mais alors je sais pas du tout dans... Alors, c'est rigolo parce que c'est une... Vous irez voir son site internet. Prenez-moi. Elle fait des coloris, alors c'est plus... Enfin, c'est une grosse structure. Hein, avec, donc, elle a du monde qui teint pour elle. Mais en fait, le site, moi qui connais Vincent, c'est pas du tout dans la colorimétrie, dans les goûts, dans les inspirations qu'en Vincent. Parce que c'est un esprit de teinturière qui est déjà qui teint beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la single. Donc déjà, elle a je crois que c'est, d'après mes souvenirs ou d'après mes connaissances plutôt, je crois que c'est elle qui teint le plus en pourcentage d'une marque. C'est elle qui teint le plus en plus grosse quantité de la single. Donc ça, c'est sûr. Donc dans la colorimétrie, c'est pas du tout les couleurs. Et j'étais super content parce que c'est pas du tout les couleurs vers lesquelles Vincent se tourne d'habitude quand il choisit ses coloris pour ses châles dans la boutique. Même s'il faut un contrastant ou quelque chose de lumineux, il va jamais aller vers. Mais quand tu m'as demandé de choisir sur le site, j'étais un peu gêné parce que c'est vrai qu'il a fait défiler plein de pages avant que. Mais bon, on se laisse convaincre quand même. Je vais pas y arriver. Tu vas tout abîmer. T'en donnes le... Voilà. Tu me défais mon échoué, il ressemble plus à rien. Ouais, c'est pas grave. Hop là, voilà, plutôt comme ça. Voilà. J'adore. Donc avoir celui-là, les autres, je suis pas sûr. Lui, il va être plus facile à caser. Celui-là. Peut-être ensemble, non? C'est pas les mêmes sur les autres. Peut-être si tu fais un jacquard. Un jacquard. Non, j'aime pas quand c'est trop varié comme ça, les jacquards. Mais pour tes nièces. Ah, tu veux dire ça avec une autre couleur. Par exemple, un noir et puis ça pour faire ressortir pour tes nièces, ça, une petite étole. En noir pour mes nièces. Non, mais. M'énerve. Voilà. Donc, c'était nos achats sur. Hedgehog Fiber. Hedgehog Fiber. Voilà. Voilà. Donc ils font beaucoup de teinture et vous pouvez même aller voir, elle fait aussi plein de patrons, dont aussi plein de patrons qui sont gratuits. Ah, je savais pas que c'était. Ben le patron de. Ah oui le. Comment on appelle ça? Du cardigan que les filles. Square. Oui que Christelle et tout ont fait. Mm. Voilà, mais c'est un patron gratuit de chez elle. Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai qu'on en a entendu parler. Oui, un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour les achats. C'est tout ce qu'on avait à vous dire, oui. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Ah bon ? Enfin, surtout toi, mais bref. Voilà, donc, eh bien, écoutez, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit chat et uniquement le petit chat si vous voulez participer au concours et être sélectionné pour l'un des chèques cadeaux d'un montant de 50 euros. Il y aura 6 chèques en tout. Je vous mettrai là encore la petite photo du petit chat, du mini chat tank. Et voilà. On dit chèque ou on dit carte cadeau? Une carte cadeau. C'est la même chose. Pourquoi j'ai dit chèque? Ouais. Non, carte. Ben, un chèque, il comporte un numéro, donc je sais pas. Ah bon? Oui. Chèque, peut-être, c'est peut-être la forme, je sais pas, peut-être, on ne sait pas. Ah oui, c'est peut-être le format, oui. C'est peut-être le format. Donc, non, c'est une carte cadeau que vous recevrez. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre fidélité,
pour tout ce qu'on partage. Surtout, là, cette semaine, je reçois vos photos. Ah oui, c'était la précision que je voulais donner. Je me suis trompé la dernière fois quand j'ai revu pour le montage. Quand je vous ai dit de participer pour m'envoyer par mail, c'est bien parce que ça a déjà commencé. Donc, je ne vais pas le faire là. Vous avez bien vu. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine parce qu'il faut vraiment qu'on classe tout ce qu'on reçoit et comment on dispatch. Quand j'ai dit qu'il y aurait des gagnantes de temps en temps ou une fois peut-être une fois par mois, j'ai dit la plus belle réalisation. Et en fait, non, c'est pas du tout. Il ne va pas y avoir une notion de beauté de... Oui, parce que déjà, c'est un peu... Bah oui, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais dire. C'est en fait, ça sera un tirage au sort tout simplement sur une chaussette. Que je me trouverais. Enfin, je. Comment tu. Non, tu je. Choisis, moi, je peux pas juger. C'est pas, moi, je peux pas dire. Tiens, ce châle, il est beaucoup plus beau que. Non, bah, on va plus forcément aimer un modèle que l'autre ou que ce soit avec Mélane ou pas. Je parle pas de. Mais on va... Donc non, ça serait pas. Ça serait non, pas possible. Donc là, ça serait un tirage au sort complètement aléatoire. Un petit chèche, une chaussette. Un pull, un cardigan, tout ça, enfin tout ça, ça peut être. C'était pas du tout. Je voulais faire la précision parce que c'était, ça m'a. Je me suis dit, il faut que je le reprécise parce que ça m'a un petit peu dérangé dans la façon dont j'avais formulé. Ouais, la formulation, c'était pas terrible. Donc là, non, c'est pas une notion de beauté de vos réalisations. C'est, ça sera un tirage au sort. Voilà, tout simple. Voilà tout ce qu'on avait à vous dire. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité et faire grandir cette chaîne. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À jeudi. À jeudi. Bisous.